Lionel Messi profite de jours de repos avec le PSG pour un voyage à Barcelone qui, vu le contexte, fait réagir. On en sait un peu plus désormais. La nouvelle de l'arrivée de Lionel Messi à Barcelone, ce samedi soir, n'a pas manqué de faire réagir. Pourtant, selon Mundo Deportivo, cette visite est avant tout familiale. Après la victoire du PSG contre Angers, Christophe Galtier a accordé 3 jours de repos à ses joueurs, ce qui a permis à Messi de passer un peu de temps en famille dans sa villa à Barcelone. Il est accompagné de son épouse Antonella et de leurs 3 enfants. Aucun lien avec un potentiel transfert donc, mais cela n'empêche pas les rumeurs de circuler quant à un possible retour au Barça la saison prochaine. En attendant, le Barça aurait bel et bien préparé un plan pour faciliter le retour du joueur de 35 ans. Selon les informations de la presse espagnole, le club aurait l'intention d'offrir un contrat d'2 ans à Messi, avec un salaire de 25 millions d'euros brut annuels. Ce qui représente environ 13 millions d'euros nets. Ce montant est proche de celui touché par Robert Lewandowski, l'un des meilleurs buteurs du monde. Le 2e contrat permettrait à Messi de jouer dans le nouveau stade du club et de participer aux célébrations du 125e anniversaire des Blaugrana. Mais pour le moment, rien n'est encore officiel. Les supporters du Barça espèrent toujours voir leur idole revenir au sein de l'équipe, mais pour le moment, il doit se contenter de sa visite familiale à Barcelone.